Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui, on se retrouve avec un colis que Benjamin m'a offert pour Pâques. Pour Pâques, c'est la pacotille, c'est un peu de tout et de rien. C'est surtout un immense carton très léger. Je ne pensais pas qu'on aurait eu un carton comme ça. Oui, du papier bulle. D'autres papiers, mais ils ont bien protégé, hein. Oh. Alors, à savoir, j'ai pris ça parce que je suis un youtubeur australien et qu'il a ouvert différents trucs, bon ça date maintenant, mais j'ai trouvé ça rigolo et je me suis dit bah pourquoi pas, ça peut être fun pour Ah oui c'est ça. Alors pour bon. Pâques, alors on a des petits œufs et ça a l'air très très drôle, je sais pas si alors, vous connaissez ça. Alors on a des petits yeux et des petits œufs. Et on peut collectionner, hein, ça a des taux de rareté qu'on peut voir au dos etc. Et de bœuf. Les ordures dégoûtantes, les étranges morceaux, les repas écœurants, les insectes répugnants, les toilettes odorantes, les animaux repoussants rares, oh, les crados ultra rares, les lumineux dans le noir, les exclusifs. Qu'est-ce que t'as acheté? Il faut pas mal le prendre, mais en fait j'ai fait des recherches et je me suis dit, tu es dinosaure. Bon, ça va, pour Camille, elle aime bien les dinosaures. Et sinon, j'ai regardé, il y en a un peu tout, des fées, des machins et tout. Mais pour Camille, c'était pas bon. Et du coup, j'ai pris le truc avec les poubelles, les mouches mortes, etc. Et je me suis dit que c'était plus à propos. Et que c'était rigolo. Ah ouais, pour être rigolo, c'est rigolo. Alors, qu'est-ce qu'on devrait prendre en premier, les œufs ou les yeux? Je sais pas, comme tu veux. Mais en tout cas, c'est pas bon, mal. On va garder le plus sympathique pour la fin. Et nous commençons déjà avec une mouche ignoble et une myrte mutante. A savoir qu'on a eu une mouche colocatrice de notre appartement qui a été en combat intense avec Camille. Et prendre un pack avec une mouche. Et toi, tu as vaincu l'araignée. Tu as vaincu l'araignée de la baignoire. C'est vrai. Bon, on va commencer parce qu'on est là quand même pour ouvrir des œufs. Et pas pour parler des insectes qui squattent notre appartement. Donc, du coup, juste. Qu'est-ce que tu fous? Ta chienne de l'œil. Il s'est assis dessus, bon, merveilleux. Alors, on a réussi à ouvrir Poupy, qui est commun. Qui est commun, qui était directement en... Et 50 Fly, qui est commune également. Qui est trop trop bien. Et c'est gélatine, enfin c'est pas gélatineux, c'est mou. C'est caoutchouc. C'est pas spongieux, c'est déjà ça. En tout cas, c'est trop trop bien, on peut avoir des œufs, enfin des yeux plutôt. Et du coup, la consigne c'est... Smasher, donc éclater, fracasser. Bon. Allez, fracasse ta balle, Kenny. Oh mon dieu, c'est une chaussure. Nous avons droit à une chaussure orange moche. Franchement Benjamin, je sais pas. Ah, c'est Smelly Shoe. Elle est... Smelly Shoe. Smelly Shoe, donc la chaussure qui pue. Elle est partie des ordures dégoûtantes. Et elle est commune. Ouais, et elle a des éclaboussures mauves dessus. C'est plutôt pas mal, on dirait un petit peu la qualité qu'on peut retrouver dans les gâchapons japonais. En tout cas, c'est vraiment cool de pouvoir éclater les trucs, etc. Je pense que si je fais un casse-là. Pas les yeux, évite les yeux, sinon c'est ok. Oh, ça se casse facilement bien. Tu as... Oh, attendez, elle est sur-emballée. Est-ce que ce serait pas une rare? Il y a un truc trop. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut garder après les petits éclats pour Halloween, pour faire des yeux. Voilà, pour remonter les œufs. Oh, il y a de la gelée dégueulasse. Oh, c'est un peu froid. J'ai peut-être un rat. Ouais, t'as surtout un dégoûtant. Non, je peux avoir quoi? Les lumineux dans le noir, c'est peut-être ça, non? Ouais. Il y a tellement de choix. Ah, Benjamin, t'as l'air content de ton truc dégueu, non? Ouais. Oh, oh. Attendez, c'est extrêmement... Il y a quelqu'un qui a fait des choses bizarres. Et c'est recouvert de slime. Ça colle! C'est dégueulasse! Ça colle au doigt! Ah, c'est craquant! Je sais pas si on voit, mais c'est... C'est dégueulasse! Ah! J'espère que les dinosaures seront pas gluants, eux, au moins! Ah, je crois que quelqu'un avait vraiment la Covid et a éternué sur moi. C'est quoi, alors? C'est un shake... Oh, tu m'as mis ça sur moi, je t'engueule, hein! Alors, c'est quoi, c'est un shaker mauve bizarre? Je crois, ouais. Qui vomit? Une poubelle, peut-être? Qui vomit? Je crois que c'est dans les trucs, là. Ah, attends, c'est celui-là. Il retourne... C'est les ultra rares. C'est un, ouais, ultra rare. Ouais, c'est un ultra rare. C'est un ultra rare, il est doré. C'est Barf Bucket. Donc un seau de vomi. D'accord. Chouette. C'est donc. On a eu un ultra rare. Allez, vas-y, passe-moi un œil. Par contre, je sais pas. T'as arraché mes cheveux. T'as arraché mon cheveu. Désolée. Par contre, je sais pas quoi faire avec ça. T'es sage avec ça, c'est déjà ça. Alors, nous avons une poubelle. Ça marche trop bien. Non, pas sur le tapis! Pas sur le tapis!
On a dit tout sauf les tapis. Ah non, le tapis, déjà que le tapis il prend cher. Quand Benjamin renverse du coca, ça fout du ketchup dessus, balance du café. Bon, ça c'est moi le café. La limonade, c'est toi par contre. Pauvre tapis. Dire que ça reste sur les doigts par contre. Alors, du coup, on a une hall de canne qui est commune. Oh, eh, mais c'est vraiment pas mal. Hein. Mais tu t'en jailles vraiment là-dessus? Je trouve ça chouette. Ouais, c'est la T'as payé combien ça? 12 euros, je crois. 12 euros comme ça. Allez, vas-y, ça va de se mâcher un œil. Ou que j'ai mis deux. Il y en a deux encore. Oh, il reste plus que deux déjà. Mais il y a des œufs, parfait. Oh, j'ai quoi? Je pense pas du tout. J'ai un cerveau. J'ai ma sa tête. Ça y est, on a la confirmation. Benjamin a un cerveau. Vous êtes témoin. Et bleu. Un cerveau bleu, bon, un cerveau bleu, qu'est-ce que c'est qu'un cerveau bleu? C'est un méchant, je pense, de Tortue Ninja, sauf qu'il est pas rose. C'est un ultra rare encore? Non, c'est pas un ultra rare, je J'aimerais pense bien avoir un rat mutant ou un truc dégueulasse. Oh, j'aimerais bien les chats. Oh, c'est un commun. C'est un Dwayne Dwayne. Mais j'aimerais bien avoir un furet, un rat mort, un truc dégueulasse. Vraiment, et la poubelle. T'es content de ce truc-là pour de vrai? Je trouve ça... Ouais, c'est rigolo, t'as un truc qui a du... De la morve orange, enfin, dommage qu'il n'y en ait qu'un seul, mais il y a plein de trucs dégueu. Après 9 ans et demi de relation, je découvre que Benjamin s'enjaille sur des figurines de poubelle. C'est formidable. C'est trop drôle, c'est coloré. On en a pas. Oh, dis-moi que t'as un truc dégueulasse. Oh, ouais, oh, bah, excuse-moi, c'est un cafard, s'il te plaît. Je suis pas une mouche, un cafard. Mais trop bien, plus la texture et tout. Et c'est un mosquito. Ah non, c'est un mosquito. C'est un moustiqueur. Mosquito. Ouais, c'est un commun encore. Attends, non, c'est peut-être pas un mosquito, il a pas les ailes pareilles. Non, c'est pas lui. Si, c'est lui. Oh, franche. C'est un cafard. Il est commun. Ok. Mais il reste néanmoins joli. Bon. Et ça fait vraiment beaucoup de couleurs. Hein. Ah bah ça, pour être coloré, c'est coloré. On va passer aux œufs. J'espère que les dinosaures auront une meilleure taille. Non, mais il y a vraiment pas mal de choses. Enfin, c'est rigolo. Il y a des petits trous pour pouvoir les mettre sur ses crayons pour rendre son crayon... En tout cas, n'hésitez pas à liker pour savoir si on en fait d'autres ou pas, parce que moi, j'ai apprécié. Donc, je crois que Benjamin est fan. Dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous tout. Bah, j'aimerais bien, en fait, avoir les animaux, là, les repoussants très rares. Ceux-là, repoussants très rares. Ça a l'air trop, trop bien. Bah, attends, on a Tipout là. On a Tipout là encore, enfin, et en plus on a des poules aussi derrière, enfin c'est trop trop bien. Le Dunk Dog, j'avoue, il est rigolo. Alors, Benjamin a soulevé ses fesses et a découvert un œil. Qui pour un œuf casse un œuf. Hein. Bah vas-y, vas-y. Ah oh. Ah non, je suis une glace dégueulasse, je pensais que c'était une bestiole. Mais tout est dégueulasse dans ce film. Oh, elle est bien en fait. Montre. Regarde la tête, d'ailleurs. Attends, alors la glace dégueu, est-ce que c'est une rare au moins? Non, je suis sûre que non. Ah, elle est dans les premières, oui, oh, elle n'est bah, pas du c'est tout. Commun, là, super. Elle est pas du... Bah, en fait, on a eu du coup un ultra rare et que des communs. Dommage. On pourrait pas faire d'ouverture de booster Pokémon, on n'a pas assez de chance, j'ai l'impression. Mais je trouve ça plutôt pas mal. Hein. On a pas mal de trucs à reconstruire. On va voir si ça... Ouais. Tu vois pas, ouais. Donc, on passe au deuxième, les dinosaures, mon poubelle. Par contre, je sais pas si. Si vous aimez les dinos, dites-nous. Ouais, des dinos partout. Je sais pas si on aura un œuf en fait avec de la morve de dinosaure dedans. Je ne sais pas. Sortez. Alors, du coup, sachant qu'on peut avoir des crânes ultra rares, des dinos fossiles, des dinos exclusifs, des dinos lumineux, des dinos zombies, des dinos dangereux avec un jeu de mots sur les dents, des robots dinos, des dinos monstrueux et des dinos mutants. Et je sais pas pourquoi on Il y en a qui sont tout mous. Vraiment, ceux qui sont là, ils sont vraiment très mignons. Lesquels qui sont mimi? Ceux-là. Ah, ceux-là, ils sont bien, les dinosaures. Donc, Camille... Attends, parce qu'on a eu un mammouth. Un tamout qui n'a rien à voir avec les dinosaures. Oh, le tamout. Mais qui s'est fait manger quand même. On peut voir sur le côté qu'il manque un petit peu de peau. Il manque un morceau. Effectivement, il s'est fait arracher un morceau. C'est du zombicique, jurassique. Alors, il est bleu, ça veut dire qu'il est commun. Voilà. T'es bleu, t'es commun, t'es un chou, t'es commun. Et l'homme de Cro-Magnon, il est commun aussi, c'est dans les dinosombies. Ah, c'est des zombies. Mais oui, ma petite dame. Oh gosh, j'étais pas prête. Donc Camille a réussi à ouvrir ça proprement et tout. Waouh. Donc passons à l'œuf. Ah, il est dedans carrément. Dino-dent. Je veux un dino-dent, je veux... Oh. Oh, il a un shiny. J'ai un shiny. J'ai un zombie moche, mais regardez, je crois qu'il est rare, mais dans les lumineux, non? Là, si, regarde, il est là. Dino lumineux, ouais. Attends, oh, il est commun.
Il est commun. Bon, merci Camille pour ta trouvaille. C'est un zombie des cavernes, c'est le cave zombie, le zombie des cavernes. Bon bah c'est nul. À moi. C'est pas grave. J'ai un pterodactyle avec une queue et un air aioli. Montre. Ah, c'est un zombie dactyle, c'est un dino-zombie. On a que des dino-zombies. C'est le principe du truc, c'est des dino-zombies. Moi, je voulais pas un dino-zombie. Oh, oh bon, il est dans quoi? Oh, il a le truc sacré, enfin, où il y a vraiment une texture bizarre. Et en fait, tu dois le casser pour avoir... C'est un fossile rock. Ouais. Attends, comment on ouvre cette chose? Ça veut dire que t'as un crâne ultra rare dedans? Non, j'ai peut-être un fossile. Un dino-fossile, alors? Ouais, c'est peut-être ça. Bah, attendez, comment ça casse le... Oh, purée, ça en met partout. Tu auras du sable partout sur les cuisses. Ouais, attends. J'ai été à la plage. C'est un peu l'idée, je crois. Alors, bon. Ah, c'est pour prendre... Bah, du coup, on n'aura pas de la caillou mort de... farineux, je ne sais pas ce que c'est. J'ai une petite boîte, hein. C'est trop drôle. Je vais en mettre partout. Ah, oh, purée, mais ça dégueulasse. C'est quoi? C'est un fossile, je pense. Ah mais c'est un unboxing, après tu nettoies toute ta maison. Oh, il est beau. Ah, pour le coup, il est beau. Oh, c'est un vrai fossile avec un air de con en plus. Bah ouais, ils ont réussi à donner un air de con à des os pris dans la pierre. C'est formidable. T'as différentes textures et tout. Attends, il y a un trou encore dans celui-ci, purée. C'est pour mettre ton crayon, je pense, oui. Non, c'est pas pour. Si, justement, c'est pour les autres aussi. Mais du coup, t'as le plâtre dedans. Ouais. Attends, c'est trop bien. J'en ai plein les doigts. Mais c'est ça le principe. Mais il est vachement bon. On aurait peut-être dû faire la mode Miss Jirachi, là, où on fait directement sur les doigts plutôt que vendre notre tête. Dites-nous si vous préférez, parce que bon, on va en reprendre, on va pas se mentir. Bah, il est trop beau. Franchement, il est excellent. Le degré de rareté. Bah, c'est juste le dino machin rouge rare. Attends, le papier, il est où? C'est un gravel wrap. Il est commun. Il est commun, mais du coup, il faut le gratouiller quand même. C'est cool. Il est comment? Moi je l'ai là en dino fossile en rouge. Oui mais attendez, non, rouge c'est rare. Bah oui, c'est pour ça, comment c'est bleu? Camille elle aurait même pas à lire les rares. Non mais attends, c'est pas le même code couleur que le truc juste avant. Bah tu peux pas avoir un comment si t'as carrément un truc à casser. Mais je sais pas, on sait jamais. C'est trop drôle, mais du coup t'as eu le plus fun. Moi je voulais avoir le plus. Bah, et t'as eu le gluant, écoute. Oh, le gluant. T'as eu le gluant. C'est trop. Ah. Oh. C'est quoi? Il est dégueu. Oh non, il est moche, on a quoi du dino zombie? Mais c'est pas un zombie, enfin c'est pas un zombie, c'est pas un dino ça. C'est quoi? C'est celui-là, les dino mutants. Il est commun et c'est un Spider-Zorus. Spider-Dino. Je suis un peu déception du Spider-Zorus, il est très moche. Bah il est beau, attends. Il est très moche. Bah oui mais c'est un truc monstre. Bouge pas l'épaule. J'ai déjà mal. Ah non, sur l'épaule. Ouais, j'ai fait sur l'épaule. Oh. il serait mignon s'il avait l'air moins con. Ils ont tous l'air con quand même. Ah mais celui-là vraiment il serait plus mignon s'il avait l'air moins con. Donc là c'est un bébé dino. Ils sont C'est un type poutre, ouais. C'est un egghead, donc crâne d'œuf. Et c'est les dinos monstres, ils sont communs. C'est trop drôle. Il ressemble à rien, c'est le dernier déjà. Non. Il en reste encore. On fait qu'un seul, on a déjà tout fait. Bah oui, il y en avait 8 par... Vas-y. Aïe, par contre, quand tu me mets sur la tête, ça fait mal, par contre. Sur la tête, ça fait mal. Oh! Oh! Oh, putain! Oh! Oh, c'est un ultra rare! C'est un ultra rare! C'est les crânes ultra rares! C'est l'ultra rare! De Triceratops, il est trop bien fait! C'est un ultra rare! Du coup, on a eu un ultra rare, on a eu un rare... Mais on a eu celui que je voulais vraiment les crânes comme ça. Ouais. Et c'est d'un triceratops en plus. Ouais, purée, trop bien. Il est trop beau, franchement ça vaut carrément tout le pack. C'est le plus rare en plus, il est à 1000 XP. Après on a plein de trucs blancs, ah non, orange pas par terre. Ouais, le tapis ressemble plus à rien. Mais il est excellent, il y a il est trop beau. Les effets de peinture un peu pour faire genre les os vieillis. C'est excellent, vraiment c'est trop bien. On a eu un ultra rare, un rare avec que des communs, et le coup d'avant on a eu... C'est excellent. Ouais. En vrai j'en ferai plein toute la journée parce que c'est trop bien. Quoi. Par contre la prochaine fois tu me tapes moins sur la tête, parce que vraiment ça fait mal. Désolé. Mais ouais, non, trop bien. Les fossiles sont vraiment une très bonne idée. Après quand je vois toutes les têtes, on n'a pas eu les plus beaux, après mis à part les... Mais quand je vois, il y en a les dinos exclusifs, ils sont top, les bébés, les machins, enfin tout est plutôt pas mal. Enfin c'est excellent. Ouais. Après le prix est pas si excessif que ça dans le sens où on a des trucs.
plutôt rigolo. Ouais, avec des différentes sympa. Textures, c'est... C'est sympa, peut-être pas tous les mois non plus, mais... En fait, j'ai pas tous les mois, parce qu'après, on aura fait carrément tout le truc, mais j'ai passé un bon moment. Dites-nous si vous passez vous aussi un bon moment, hein. Dites-nous aussi si vous passez un mauvais moment. Et si vous en voulez d'autres, en tout cas, n'hésitez pas à liker. Dites-nous si vous voulez aussi une vue avec que nos mains, ou avec nous comme ça aussi. Dites-nous tout en commentaire, likez, smashez le pouce bleu, et partagez la vidéo. Salut.